job's a joke, you broke your love life's key away. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, week, month, or even your year, but la première fois que j'ai vu un gars arriver, on faisait un petit jeu, des buts assez réduits. Il est arrivé sur le terrain et on ne savait pas qui c'était. Bonjour, il s'est présenté, machin, ceci, cela, enfin bref. Il est arrivé, il a pris une chasuble, il est arrivé sur le terrain et il a commencé à mettre des lucarnes. Alors là, on s'est tous regardés. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est un coup de chance, tu sais comment c'est. Premier jour, le mec, il est là, il est bien euphorique et tout. Deuxième jour, pareil. Là, j'ai dit non, il va y avoir quelque chose. Après, j'ai essayé d'aller le voir. Au début, je pensais qu'il était, qu'il parlait un peu français quand même, mais il parlait pas français, il parlait qu'espagnol. Et je me rappellerai toujours, Sigana, il s'est retourné. Il a dit ah non, il faut qu'on le signe, celui-là. Mais on s'est connu comme ça. Et après, voilà, comme moi j'avais 17 ans et lui aussi, c'est là que c'est parti. Une histoire partie de Monaco il y a 9 ans. À l'époque, la famille Trezeguet veut convaincre un club d'accueillir David. Paris laisse passer l'occasion, et c'est Monaco qui, en 95, rafle la mise. Un passeport tricolore, des racines argentines, David Trezeguet s'adapte vite à sa nouvelle vie en principauté. À ses côtés, sur et en dehors du terrain, un grand frère protecteur de 2 mois seulement son aîné, un Titi parisien venu des Ulysses. C'est un ami. Moi, tout le temps, moi, je le dis. Moi, Titi, c'est le premier que je connais à Monaco à l'époque, quand il avait 17 ans. Il m'a fait adapter au club, à la vie, à la ville de Monaco, que c'était pas évident. Et moi, je vais le remercier toute ma vie, ça, c'est sûr. J'ai un peu pris sous mon aile. J'allais toujours le chercher. Je lui montrais un peu Monaco. Il venait manger chez moi. On allait manger au resto. Et voilà, bon après, sur le terrain, il n'a pas eu besoin d'aide parce que c'est quelqu'un qui a un caractère assez fort et il a réussi à devenir ce qu'il est devenu. Henri Trezeguet, duo à Monaco, jumeau dans les différentes équipes de France. Tournoi de Toulon, Thierry Henry est élu meilleur joueur. David Trezeguet est déjà là et encore à ses côtés pour le titre de champion d'Europe junior. 4 matchs, 4 buts. La suite, un passage éclair chez les espoirs de Raymond Domenech car la France organise sa Coupe du Monde. Nos frères du but brûlent les étapes et ne tremblent pas dans la séance des tirs au but face à l'Italie en quart de finale. Au bout, la consécration a seulement 21 ans. À ce moment-là, je me rappelle, j'ai été le voir et je lui dis pourquoi tu pleures ? Il m'a fait, on est champion du monde. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, moi aussi là, à ce moment-là, j'ai un peu réalisé quand même parce que c'était un peu, je sais pas, c'est ce soir-là là, qu'on a battu le Brésil, c'était un peu un truc de fou. Et quand j'étais le voir, il m'a dit ça, j'ai un peu réalisé, je me suis dit, ah, il a pas tort quand même. Mais c'est vrai que de pleurer, c'est là tu vois la force du truc, quoi. Et à l'Euro aussi, à l'Euro quand même. C'est voilà, c'est du David, il est là, il rentre. Et juillet 2000, l'or historique de Trezeguet, des 28 buts de sa jeune carrière en bleu, on n'oubliera jamais cette frappe en pleine lucarne. Un but pour toujours ou comment rentrer dans l'histoire de son sport. Trezeguet Henry, buteur en série en cours en sélection. 28 pour David, 25 pour Henry, reste un record à tomber. Les 41 buts de Michel Platini. On est conscient à la fois qu'on a envie de rentrer dans l'histoire du football français. Et même si on y est déjà, non, on a gagné le 98, on a gagné le championnat d'Europe. Mais à titre personnel, qui ce soit moi, lui, on a envie de faire mieux que Platini. Est-ce que c'est vrai que vous avez tous les deux l'ambition de battre Platini? C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Je lui ai dit, écoute, je lui ai juste dit, c'est vrai que au rythme où il va, et je l'ai dit la dernière fois, s'il y en a un qui peut battre Platini, c'est lui. Henri Trezeguet sont-ils complémentaires? La question s'est souvent posée. C'était non pour Roger Lemaire, c'est oui pour Jacques Santini. Les Bleus jouent désormais avec 2 attaquants. La vitesse d'Henri au service de l'opportunisme de Trezeguet. Une complicité redoutable. Il y a 15 jours, l'Allemagne est humiliée sur son sol, 3-0. 3 flèches, signé Henri Trezeguet. Tu t'attendais à ce qu'il te fasse la passe à ce moment-là? Le connaissant un peu? Oui.
Il est content quand moi je marque. Je sais combien c'est important pour lui de marquer. Et moi, ça me déplaît pas de faire la passe, donc voilà, on est tous les deux contents. Il n'est pas égoïste, c'est sa qualité. On est conscient qu'on est costaud, qu'on est fort, chacun dans sa tête, et qu'on a, après l'échec qu'on a connu au mondial, on a envie de se rattraper, on a envie de bien faire. Je trouve que Titi a pris une dimension énorme. Je trouve que mon avis, c'est que en ce moment, c'est l'attaquant le plus fort au monde. Même s'il est malade, il se met dans la surface, il va marquer. C'est un truc que lui et des gars comme Inzaghi, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais... Ça s'appelle le sens du but et la chance aussi. C'est ce qui a manqué cet après-midi à Thierry Henry et Arsenal face à Fulham. Henry n'a pas marqué son 103e but en Première Ligue et Arsenal n'a pas fait mieux qu'un nul 0-0. Une rencontre qui a suivi David Trezeguet à la télévision chez lui à Turin. Il ne rate jamais un match d'Arsenal, même à distance, leur relation ne s'éteint jamais. Et maintenant, inséparable presque. Voilà, sauf en club. Peut-être un jour. Peut-être. On est conscient que dans le football ça va vite et que peut-être un jour, pourquoi pas, j'espère. Arsenal peut-être un jour. Mais on sait jamais. On l'attend. Deuxième poteau, premier poteau, on l'attend. Bon, continue de tourner, hein. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas le regarder, tu vas écouter, puis tu vas répondre tout simplement. Voilà ce qu'il va dire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose à nous que tu lui as jamais dit? Merci de tout ce qu'il m'a donné. Et ça, tu ne lui as jamais dit merci? Jamais. Quand j'ai connu Monaco, à l'époque, c'était un problème pour moi. Parce que j'étais dans un club que je ne connaissais pas. Et parler, je ne savais pas. Et parler le français, je dis. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Même peut-être aussi de son côté, il n'est pas conscient. Mais moi, je suis conscient, moi, qu'il m'a beaucoup aidé. Et que, voilà, je lui dis merci. Merci de tout ce qu'il a fait pour moi. Des amitiés comme ça dans le football, t'en as d'autres ou c'est le seul? Non, il n'y en a pas. Voilà, il a tout dit. Eh ben, j'ai rien à dire. J'en ai les larmes aux yeux, donc je pense que ça doit être la réponse. Thierry Henry n'aime pas montrer ses émotions. Surpris par les mots simples de David Trezeguet, il a serré les dents pour ne pas pleurer. Henry, une sensibilité qui contraste avec le quotidien du foot business aseptisé. Un peu plus tard, Thierry a pris notre caméra seul. Il s'est livré à son tour à une dernière confidence. Voilà. Je sais pas quoi dire, hein. Je t'ai dit, j'ai failli pleurer, j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment surpris parce que, comme en général, tu t'ouvres pas beaucoup. Et voilà, tu m'as dit ça. Et voilà, moi, David, je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup et que je suis un peu ému. C'est vrai, je suis un peu ému. Mais te dire quoi encore que voilà, moi je pense que j'ai juste fait ce que j'avais à faire. En fait, j'ai vu que pour moi c'était la moindre des choses, quoi, d'essayer de te mettre à l'aise. Et puis comme on dit bien souvent, merde pour la suite et à très bientôt dans la surface pour une nouvelle passe. Ciao.